Ah bonjour, je vais vous présenter mon dernier petit achat que j'ai fait, un mini trépied pour appareil photo, hein, pour mettre en complément de mon studio macro, enfin mon mini studio macro. Hein, donc voilà, c'est un petit pied, hein, tout simplement, parce que le gros pied, enfin, c'était pas évident, comme là je vais le mettre sur une table et il me fallait quelque chose de petit. Donc j'ai trouvé, hein, ce petit modèle-là. Bon, c'est pas non plus un truc de qualité, c'est plutôt un petit trépied simple, hein. Voilà, composé de trois petits pieds, hein, qui bougent. Donc voilà, ça se déplie tout simplement. Voilà, ici j'ai également la tête. Voilà, ça se présente de cette façon-là. Il y a une molette de réglage ici pour le faire pivoter. Une autre petite molette ici qui sert à faire monter la colonne, une petite colonne centrale. Voilà. Bon, en général, comme c'est fait pour mettre sur une table, bon là je vais prendre l'exemple avec le petit banc que j'ai. Voilà, c'est juste fait en sorte de pour le poser. Voilà, on applique bien l'ensemble dessus, suivi de serrer. Voilà, là il est en place. Il y a possibilité d'éloigner les petits pieds d'un petit peu encore. Donc il suffit de les tirer tout, ça fait une stabilité un petit peu plus grande au niveau pour l'appareil photo. Si on met un petit objectif, un petit téléobjectif dessus. Voilà. Donc, voilà, ça fait donc un petit trépied qui tient quand même une bonne partie. Il suffit de redescendre un petit peu la colonne centrale. Voilà, on va le faire baisser un petit peu. Voilà, on va dire que là je le fais tenir sur le siège là. Voilà. Et puis essayer de resserrer derrière un petit peu. Voilà. Alors, donc voilà, j'ai enlevé la boîte. Donc voilà la boîte, hein, c'est une marque Koenig, hein, voilà, tout simple. C'est pas le super appareil. Hein, disons que c'est un petit trépied qui lui va me servir pour mettre sur une table, pour faire mes macros. Comme je déclenche avec une télécommande spéciale, ça me gêne pas, je touche pas l'appareil. Donc voilà, donc à savoir que donc il est en plus dessus, il y a un petit niveau ici là, petit niveau pour le mettre, ben, c'est bien droit. Bon, je sais pas si c'est bien efficace, hein, c'est pas voilà. Le petit truc en plus, voilà, c'est qu'il y a un petit plateau avec un petit bip, et puis donc serrage par derrière. Voilà, et ça se réenclenche. Alors bien sûr, ça se tient pas, par contre, enfin ça tient pas. Il suffit de l'enclencher, hein, une fois qu'on a mis l'appareil photo, on le met, on l'insère bien, et voilà, là il est pris. Et également une possibilité en desserrant ici d'incliner l'appareil photo. Donc bon, ça a l'air d'être quand même, bon, c'est du plastique, hein, mais comparé à certaines têtes que j'ai déjà eues sur des pieds, bon, elle a l'air quand même d'être un petit peu plus un peu costaud quand même. Voilà, donc c'est quand même pour un petit pied de table et vraiment pas trop cher. Bon, c'est sympa. Voilà, merci.